Coucou les filles, alors je vous retrouve ce soir. Oui. Il est 6h, donc la luminosité est dégueulasse. Donc en fait je suis avec la lumière. Vous voyez, si j'éteins la lumière, on ne voit plus rien. Donc je suis avec la lumière artificielle de mon miroir. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait c'est pour vous faire mes favoris du mois d'octobre. Donc la luminosité n'est pas super obligatoire. Donc je vais... Il y a pas mal de choses quand même. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais prendre les premiers trucs qui me viennent dans la main. Donc je vais commencer par des masques films exfoliants lissants de chez Nivea. Donc en fait c'est vendu dans des petites pochettes. Donc il y en a deux. Donc c'est comme ça. Mince, je le tiens à l'envers. Donc ce truc là est juste génial. Vous le mettez sur la peau, en fait ça sèche et ça fait un masque. Donc vous enlevez, en fait vous l'enlevez en tirant. Et ça fait une peau douce, les pores sont resserrés, plus de sébum, etc. Ça sent les produits Nivea, donc par contre il y a de l'alcool dedans. Je suis désolée pour les filles qui n'aiment pas. Mais il sent l'alcool, mais il est vraiment efficace. Ensuite, un produit pour les cheveux, donc c'est l'huile merveilleuse de chez Garnier. Que je surkiffe. Déjà l'odeur. Déjà l'odeur est top. C'est pour tout type de cheveux. Donc moi je le mets quand j'ai les cheveux mouillés. Et du coup mes cheveux sèchent et se disciplinent tout seuls en fait. Comment dire, ils sèchent pas dans tous les sens. Et ils sont vraiment doux quand ils sèchent. J'évite de le mettre quand j'ai les cheveux secs. Parce que bah je sais pas, j'aime pas trop. C'est une question de goût après. Ensuite, un autre produit pour les cheveux. Donc c'est mon après-shampoing de chez Lush, donc le Vive la Révolution. Je vous le présente pas, ça sert à rien étant donné que je le présente tout le temps. Dans chacun de mes hauls Lush, je l'ai. Donc ça sert à rien, je le présente à chaque fois. Mais lui, je le surkiffe, sincèrement. Ensuite, son copain, donc le rafistoleur, qui lui est un masque. Qui sent juste trop bon et qui est top. Ça, en fait, si vous voulez, je le mets sur tous les cheveux et ça, je le mets sur les pointes. Et même après 3 jours de lavage, ça sent encore et ça sent très très bien. Ensuite, un make-up. En fait, je prends les choses un petit peu comme elles viennent. J'ai tout à côté de moi et je prends un petit peu... Donc, c'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc, le rouge pure couture numéro 1. Donc qui est mon rouge. Je sais si vous avez bien le voir avec la luminosité. Mais c'est un rouge pétant. Il est juste magnifique. Je le mets tout le temps. Voilà. Je le mets tout le temps, je l'adore. Il sent le vieux rouge à lèvres. J'aime trop l'odeur. Ensuite, un produit pour le visage, donc de chez Nivea. Qui est un petit peu cracra. C'est ma mousse nettoyante onctueuse qui se présente dans un flacon pompe. Ça, j'aime beaucoup. Ça sent très bon. En fait, quand vous appuyez, hop, c'est de la mousse. Et c'est vrai qu'elle est très onctueuse en fait. J'aime beaucoup la texture et elle nettoie. Oui. Et la mousse reste. J'espère que vous entendez le bruit de la mousse en fait. Moi j'aime beaucoup. Je vais au moins. Elle nettoie très bien, fait la peau très douce. La mousse ne se transforme pas en eau en fait quand vous l'utilisez. De toute façon, je l'avais déjà mise dans mes top flop ou favoris de septembre, je sais plus, parce que bah, je l'aime beaucoup. Alors, un make-up. C'est mon anti-cerne de chez MAC, donc le Studio Finish Concealer, donc en NW15, donc la plus claire. Donc je l'ai utilisé, vous voyez il se creuse, hein.
C'est un top pour moi. En plus d'être un favori, c'est un top. Il est juste génial. Donc ça, il est top. Vous voyez, il couvre bien, il cache bien. J'aime beaucoup, moi, le fait qu'il fasse un dessous d'œil très très blanc. Ça, c'est vraiment ce que je recherche. Ensuite, donc, je vais vous présenter maintenant, parce qu'il prend beaucoup de place sur mon bureau. C'est le coffret de chez Lancôme. Donc en fait, c'est pas tous les produits, c'est juste le visionnaire. J'adore, en fait, son effet resserre les pores. J'adore cet effet qu'il fait, il matifie bien la peau et j'aime, moi c'est vraiment ce que je recherche étant donné que j'ai la peau à tendance grasse. Et j'aime beaucoup cet effet de je matifie ta peau. Il resserre très bien les pores en fait, quand je le mets, en fait ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis d'un côté, j'en ai pas mis de l'autre, je me suis regardée de près avec mon miroir grossissant et un côté était vachement plus petit. Enfin les pores étaient vachement plus cachés, voilà, cherchez le mot. Ensuite, donc c'est ma bébé crème de chez Herborian qui elle est un top de chez Top. Donc il se présente dans un... J'ai acheté le grand tube enfin. Donc que j'adore. Elle couvre, elle hydrate, elle sent bon. Je l'adore. Sincèrement, pour comprendre les produits, quand on les aime, il faut que vous les testiez. Je vois pas, en fait je sais pas trop expliquer. Ensuite, un produit que je n'ai pas utilisé depuis, que je n'utilise pas depuis très longtemps, étant donné qu'on l'a reçu il n'y a pas très longtemps, c'est le baume de la box, donc de ce mois-ci, donc la Little Color Box. Non, c'est pas Little Color Box. Si, de la Little Color Box. Donc c'est le baume de chez Carmex. Donc moi j'ai celui qui sent le baume en fait. Donc l'original, il me semble que ça s'appelle. Non, le classique. En fait, il y en a qui l'ont à la cerise et tout. Moi, il sent le Vix. Donc vous voyez, il est bien creusé. Parce que tous les soirs avant de faire dodo, je l'applique avec un pinceau. J'aime pas trop mettre mes doigts dedans. Et il est génial. Il reste bien sur les lèvres. En fait, si vous voulez, les lèvres ne l'absorbent pas. Enfin, il sèche pas rien du tout. Parce que le matin, quand je me réveille, j'en ai encore. Ensuite... pendant soin, donc mon soin Caracnil, je l'ai acheté début octobre, voyez. Déjà à moitié, j'utilise vraiment tous les soirs. Et donc c'est pour les peaux grasses à imperfection. Donc en fait je l'utilise en trio avec mon Effaclar et mon stop bouton de chez Ducray, bon, donc de la même gamme Caracnil. Le problème c'est que bah, je n'en ai plus de ces deux là. Je les ai finis et j'ai oublié d'en racheter. Donc les trois ensemble, c'est génial. Le problème c'est que, vous voyez, j'ai des boutons ici. Mais ce ne sont pas des boutons d'acné, enfin des boutons tout simples que l'on peut partir avec des produits. Il me faut on appelle ça. Un traitement antibiotique en fait pour les faire partir. Ensuite, un autre make-up. Donc c'est ma poudre. Désolée, j'ai un gratouille. C'est ma poudre de finition, donc de chez Make Up For Ever, donc je pense que tout le monde un peu la connaît. C'est la HD. Et celle-ci, c'est un top. Je la connaissais déjà et j'avais très envie de l'acheter. Et je l'utilise tous les jours. Ouais, ça fait ça, et en fait... Mais ça, par contre, il faut que vous la testiez vous-même. Et elle matifie vraiment, en fait. Elle te fait... Elle permet de faire vraiment bien tenir les fards, etc. Moi, quand je la mets, j'insiste beaucoup sur l'anticerne, en fait. Elle ne se voit pas, elle fait la peau super douce, elle matifie, elle est géniale. Ensuite, un autre make-up. Donc, c'est le 24-7 de chez Urban Decay qui est dans la Smoked. Donc, vous voyez... Il est juste magnifiquement gras, magnifiquement pigmenté. Il est top. C'est vraiment le crayon cola à voir. Ensuite, un soin donc que vous verrez sûrement dans tous mes tops, enfin dans tous mes favoris. C'est ma Bioderma. Donc vous la verrez dans tous mes favoris. Je ne la présente pas, tout le monde la connaît. Ensuite, un autre favori. Donc c'est ma Smoked que j'utilise énormément. Et j'utilise surtout le fard Kinky et Freestyle. Parce que
Pour unifier la paupière, Freestyle est top. Et pour ici, Kinky est génial. Et j'utilise Black d'or pour mes sourcils. Voilà. Et je l'adore. En plus, j'aime beaucoup le packaging là, comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette petite palette. Ensuite, nous avons mon mascara préféré de tous les temps, le Hypnostar. Je pense qu'il va bientôt se faire remplacer par... j'adore ce boudin. Il faut que j'achète le Givenchy. Bon, pour l'instant, je me contente de celui-là et je me contente très bien parce que je l'adore. Donc c'est, je voulais vous la montrer, j'ai oublié, c'est une brosse triangulaire. Donc qui est très pratique pour faire l'extérieur et le petit coin comme ça pour faire l'intérieur. Alors ensuite, un autre favori. Donc c'est mon gel douche gommage cottage, donc au sucre de violette. Quand je l'ai ouvert en fait, regardez. On dirait de la colle. Mais je vous jure, c'est pas de la colle, je vous jure, c'est du gel douche. En fait, vous voyez, il y a des petits grains. Ils sont très 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 fins. Du coup, vous les sentez pas trop. Mais ça sent super bon. J'adore. Bon, c'est pas le gommage du siècle non plus. Voilà, c'est pas le truc qui va vous gommer la peau. J'ai pas d'exemple là comme ça, mais... c'est pas un gommage body shop, quoi. Voilà. Un gommage de body shop, c'est pas un gommage. C'est voilà, c'est. Mais il est top. Enfin, en plus, il sent très bon, il reste sur la peau et tout. Bah, pas des heures et des heures, mais pas des semaines et des semaines non plus, mais il reste bien et moi j'aime beaucoup. Dernier produit, oui, oui, si, si, je vous jure. C'est mon blush NARS, donc le Orgasm. Donc, comme ça. Et qui est mon préféré. Je sais pas si vous allez voir avec la luminosité de crotte de bic. Bon, un rose. Ah si là, je pense que vous voyez. Un rose doré. Je vais essayer de le swatcher. Enfin essayer. C'est facile de le swatcher, mais. Est-ce que vous allez le voir? Si ça va. Il est magnifique. Il fait des joutes très dorées et tout. Il est discret en fait. Il est très discret. Il est assez modulable. Si vraiment vous voulez qu'il se voit, vous dosez. Et si vous êtes plutôt du côté discret et tout, vous en mettez qu'un peu. Et il est très très modulable. Donc voilà les filles, c'est le tout pour mes favoris du mois de octobre. Donc j'ai un petit peu en avance. Non, on est le 30 je crois, c'est très bien. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.